L'aveuglement spirituel est un signe de possession. Donc, l'aveuglement spirituel est un signe de possession. Si quelqu'un parle et dit, oh, vous savez, Dieu n'a pas vu que vous soyez riche, je vous dis la vérité, cet homme parle sous l'influence de la puissance de maman. C'est pour ça que quand tu as été créé, il ne t'a pas mis dans le désert du Sahara. Il t'a mis dans le jardin d'Éden. Toi, je ne comprends pas d'où vient la théologie de la souffrance, de la misère. Oh non, Dieu, vous savez, les frères, ce n'est pas la peine. Vous savez, le Seigneur, ce sont des complices de Satan. On ne peut pas prêcher la misère si on n'a pas été soi-même envoûté par Satan. Si vous êtes obéissant et docile, je vous donne la meilleure protection. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, si Dieu te laisse sur la terre, c'est pour une seule mission. C'est que ta vie sur terre reflète ce qu'il est. Amen. Et de ce quoi il est capable de faire. Hey, écoute-moi bien. J'aime bien l'Afrique. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorcier. Amen. Dans ta famille, tu es supposé être l'antithèse de la puissance de la sorcellerie. Donc, quand tu es né de nouveau, tu deviens la borne infranchissable qui démontre jusqu'où Satan est incapable. Ok, donc tiens-toi debout, nous allons nous préparer pour la parole. Et bien, on va chanter ce cantique pendant qu'on chante. Prie, attends, prie, s'il te plaît, demande que Dieu t'accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Demande à Dieu de te l'accorder. Prie de tout ton cœur. Pendant une minute, dis à Dieu, accorde-moi la capacité d'entendre et de comprendre. Élève ta voix, lâche chez toi, prie de tout ton cœur. Demande-le à Dieu au nom suprême de Jésus. Merci de nous accorder un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, par tes pouvoirs. J'ai mis ma foi en Jésus. Sur ton cœur, nous prions. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour toutes les personnes qui sur la planète Terre en ce moment ont les oreilles, éternel le Dieu, tendues vers toi et qui s'attendent à recevoir de toi quelque chose en ce moment au travers de ta parole puissante et vivante. Je prie donc que par le mécanisme de l'onction, au nom suprême de Jésus, il me soit donné en toute simplicité et authenticité d'enseigner la parole, de l'apprécier, de prophétiser, et que par ta puissance, les murailles, éternel le Dieu, de forteresse érigées à l'intérieur de nos systèmes de pensée soient fragilisées, ébranlées, que la lumière jaillisse à l'intérieur de nous-mêmes, et que la perception de la vie change, et que nos réalités soient totalement irradiées par la lumière que nous avons reçue de l'intérieur. Que nos vies prennent le sens, éternel le Dieu de l'Alliance. Et que tes paroles, éternel le Dieu, annoncées à notre Père Abraham, soient visibles quotidiennement dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom suprême de Jésus. Rends-nous capables de ce pourquoi nous croyons incapables de par le passé. Donne-nous de voir ce que nous n'aurons pas imaginé voir de par le passé. Rends-nous à même de faire ce que nous n'aurons même pas rêvé faire de par le passé. Donne-nous de posséder ce que même les plus braves n'auraient pas osé nous l'attribuer. Donne à notre vie de prendre vraiment le panorama de la métamorphose. Transporte-nous dans les cimes de ta gloire. Donne-nous de nous réveiller dans la splendeur de tes bienfaits et d'être éternel le Dieu inhibé, c'est-à-dire vraiment saturé de l'immensité de ton amour. Père, donne-nous d'être ivre de cet amour et que tous les jours, éternel, le cœur battant pour toi, nous continuons avec hardiesse, audace, force, courage, bravoure de faire ta volonté sur la terre des hommes. Donne-nous d'oser
viser, éternel Dieu, embrasser le surnaturel, de faire une bise à la vision que tu nous as donnée et de célébrer, éternel Dieu, l'avenir des promesses annoncées avant même qu'elles n'arrivent. Donne-nous de pérer à notre niveau, éternel Dieu, que chacun d'entre nous, de par ce message, révèle la divinité dans l'humanité. Tu as fait de nous une nouvelle création, une nouvelle création, une nouvelle création. Que ce prototype unique, spécial, particulier, inexistant de par le passé soit révélé de par nous, Seigneur. Que nos vies soient des portraits illustrants de ta grandeur, des témoignages irréfutables de ta puissance, des preuves tangibles de ton amour et de ta capacité de faire des choses incroyables et exceptionnelles. Béni sois-tu, Seigneur. Étourdis les oreilles de ceux qui entendent parler de nous, éternel. Ô Dieu, embarrasse ceux qui ont juré que nous allions sombrer, éternel. Donne à ceux qui n'ont pas misé sur nos vies de regretter amèrement, car ta faveur et ta grâce, elles nous le partagent. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dit amen trois fois. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Eh bien, tu le ressens de par cette prière qu'il y a une dimension hautement prophétique dans le message apporté ce matin. Je l'ai intitulé « Jouir du meilleur de Dieu ». Jouir du meilleur de Dieu. Quels sont ceux parmi vous qui, dans l'assemblée, pensent que la Bible est vraie, que la parole de Dieu est vraie? Levez la main si vous le croyez. Là, au fond, je vous vois vos mains. Ouais. Vous croyez que la parole de Dieu marche? Elle est vraie? Très bien. Alors, écoutez-moi attentivement. Je vais vous lire quelques versets bibliques. Hein, et nous allons ensemble examiner quelque chose. Puisque vous croyez qu'elle est vraie. Jean 19, verset 30, il est écrit sur les dernières paroles du Seigneur qui est en la terre. Je lis juste la fin. Tout est accompli. Donc, tout est accompli. Vous voyez, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus a dit, tout est accompli. Colossiens 2, verset 10. Vous y êtes? Eh bien, notez, consignez, parce que ce sont des textes, il faut la relire à la maison. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On a tout pleinement. Tout, c'est vraiment tout, pleinement en lui. Donc, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien, selon ce texte, qui manque à ceux qui sont en Christ. Quand vous voulez le pouvoir politique, vous voulez le pouvoir économique, vous voulez le pouvoir militaire, vous voulez le pouvoir sportif, tout, quel que soit ce que vous désirez, on a tout pleinement en Christ. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher un mari chez les féticheurs, parce qu'on a tout pleinement en Christ. Tout est en lui, la plénitude absolue. D'ailleurs, c'est le seul, c'est-à-dire c'est le seul être, la seule personne capable de nous donner la plénitude absolue. C'est-à-dire de te donner ce dont tu as besoin et tu ignorais que tu avais besoin de ce besoin. C'est ce qu'il est capable de faire. On a tout pleinement en Christ. Donc moi encore ton meilleur amen. Éphésiens 1 verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, qui va nous bénir, c'est ça? Elle a dit quoi? Oh, s'il vous plaît, aidez-moi. Il nous a bénis. C'est au passé, au présent, au futur. Donc ça veut dire que tu as déjà été béni de toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il y a des gens qui ont une sorte de bénédiction et ils pensent qu'ils ont tout ce que le ciel possède. La Bible n'a pas dit qu'il nous a bénis d'une sorte de bénédiction, donc de toutes sortes. Donc en Christ, il y a toutes sortes. Amen. Si Dieu t'a visité dans un domaine et qu'il a visité ton frère dans un autre, c'est qu'il y a toutes sortes. Il y a une plénitude, pléthore de bénédictions, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Jean 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, waouh, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. En d'autres termes, c'est le Fils qui révèle la gloire du Père. Dans le royaume des cieux, Dieu s'est fait invisible et ne veut se faire voir qu'au travers des fils qu'il a rendus visibles. Donc, afin que le Père soit glorifié par les fils. Oh, à partir d'aujourd'hui, quel que soit les pas que tu poseras, quel que soit le domaine où tu avanceras, ta vie va refléter la gloire de Dieu. Amen. Les gens verront Dieu au travers de ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Oh, que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui prend l'engagement. Je le ferai. Et si quelqu'un qui a vaincu la mort, qui a dépouillé Satan et toute sa puissance, qui est assis à la droite de Dieu, te dit, quelque chose que tu demandes, je le ferai, tu ferais bien de croire. Amen. Alors, maintenant vous avez lu ces textes, quelques-uns d'entre eux. Je vous pose une question sincère. À votre avis, est-ce que l'Église, le corps de Christ, manifeste, reflète cette vérité de l'Écriture? Répondez-moi sincèrement. Vous savez,
Et vous savez, et c'est dramatique. Vous dites non éloquemment. Et c'est vrai parce que c'est sincère. Comment imaginer un seul moment que nous avons des promesses aussi extraordinaires et nous menons une vie aussi minable? Il y a un tel fossé, une telle différence entre la réalité de nos vies et la vérité des Écritures. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et refuser d'affronter ça, c'est être malhonnête. Il faut qu'on affronte la vérité. Vous savez, on a eu un discours qui était un discours totalement paralysant et envoûtant, d'accord, en sorcellant au niveau de l'Église. C'est le discours qui rapporte à croire que le bonheur est au ciel et qu'il faille tout, il faut tout faire pour que les gens aillent au ciel. Frères et sœurs, c'est lui-même qui a donné sa vie pour aller au ciel. Il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'a pas dit, lorsque vous priez, dites que j'aille au ciel. Parce que le ciel était déjà une évidence de par sa mort. Donc il dit, quand vous êtes sauvés, priez maintenant et demandez que le règne, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit, faites-en votre prière. Pourquoi? Et il dit, pourquoi il dit ça? Il dit, vous recevez une puissance en verset 8 et vous serez mes témoins. Donc en d'autres termes, si Dieu te laisse sur la terre, c'est pour une seule mission. C'est que ta vie sur terre reflète ce qu'il est. Amen. Et de ce quoi il est capable de faire. Hey, écoute-moi bien, j'aime bien l'Afrique. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorcier. Je ne suis pas très sûr, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. On a au moins un sorcier dans chaque famille. On a un homme fort dans sa famille. Mais gloire à Dieu, quand l'évangile est entré dans ta vie, amen, dans ta famille, tu es supposé être l'antithèse de la puissance de la sorcellerie. Donc quand tu es né de nouveau, tu deviens la borne infranchissable qui démontre jusqu'où Satan est incapable. Donc il y a les uns et il y a les autres. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Donc c'est très important de le comprendre. Ta vie reflète la gloire de Dieu. Amen. Vous serez mes témoins. Et nous contentons de lire la Bible, de déclarer la Bible, de chanter les versets bibliques. Et on oublie, voyez-vous, que Dieu veut que nous soyons des témoins. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mes frères et sœurs? Pourquoi tant de misère, de faiblesse, de haine, de pauvreté, de bassesse, de cruauté au milieu des saints de Dieu? Pourquoi? C'est parce que l'image et le portrait que Dieu donne de son Église sans tache ni ride. C'est pas ça l'image. Mais il faut bien qu'on confonde la vérité. Il y a un problème quelque part. Et dans mon approche avec Dieu, dans ma marche, quand quelque chose ne va pas, première chose, c'est que j'assume que Dieu a toujours raison. Et que l'homme a toujours tort vis-à-vis de Dieu. Donc si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas du côté de Dieu, c'est du côté des hommes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même certains hommes sur la terre qui ont saisi ces promesses et qui les ont démontrées. Et je prie que tu fasses partie de ce faible peuple qui demande à ta génération que la parole marche. Donne-moi encore ton meilleur amen. Regardez-vous, calmez-vous et puis envoyez, savourez les Écritures, savourez. 1 Timothée 6, verset 17. Regardez ce qui est écrit. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes bénis, hein, mais moi-même je prêche et je suis enjaillé parce que j'enseigne. C'est juste quelque chose qui me... Moi-même je suis content. Il dit, recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux. Donc en fait, oh, le temps me manquerait de vous expliquer la profondeur de ce texte. Il dit, ne soyez pas orgueilleux. Être riche, pour moi, ce n'est pas une surprise. C'est une normalité. De ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance. Qui donne avec abondance. Donc, et les riches là, ne mettez pas votre confiance sur votre argent, mettez-le en Dieu. Amen. Qui donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissons. Donc, non, non seulement Dieu te donne, mais il te donne pour que tu en jouisses. Oh là là, c'est incroyable, hein? C'est que tu en jouisses. Le tout n'est pas d'avoir une mangue. C'est quand tu as ouvert la mangue que tu l'as découpée. Oh, comme ces derniers temps, j'aime bien les mangues. Elles sont succulentes. On est dans la saison des mangues. Oh, je pique les mangues. Comme tu savoures, tu dis, non, Dieu est grand. Il y a des goûts là, on ne sait pas comment il a fait la mixture. Mais quand ça passe par ton palais, tu te rends compte que Dieu t'a aimé pour concevoir de telles choses. Mais le tout n'est pas d'avoir une mangue, c'est de la savourer. Je peux regarder, je peux contempler, ça ne veut pas dire que j'en jouis. Et nous passons le temps à contempler sans en jouir. Il est temps pour toi de jouir. Il a fait toutes choses afin que tu puisses en jouir.
Je déclare établi sur ta vie la jouissance des avoirs de Dieu au nom suprême de Jésus. Il a fait toutes choses afin que nous en jouissons toutes choses. Il donne en abondance toutes choses. Et il ne donne pas peu, il donne abondamment. Notre Dieu n'est pas un Dieu de petite dose. Ce n'est pas un Dieu de petite dose. Et maintenant, quand vous allez, ceux qui achètent le hamburger, on vous dira, vous voulez quel size? Petit, medium ou large? Dieu, c'est extra large. Donc quand Dieu te donne, c'est extra large. Il donne en abondance. Il sait que ça ne va pas te suivre, que tu ne peux pas tout manger. Mais il donne extra large. Pour qu'en mangeant, tu sois tenté d'inviter quelqu'un d'autre à ta table. Parce que ce qu'il te donne va toujours dépasser ce que tu peux manger. Reçois en abondance au nom suprême de Jésus. Il dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Je prophétise que ta coupe déborde, que ton compte bancaire explose, que ta santé soit reluisante, que ta sagesse et ton intelligence s'accroissent. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que ton ministère s'étende, que ta réputation traverse les frontières et que l'écho de la gloire de Dieu par ta vie soit entendu partout au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Ésaïe 1, verset 19. Regardez ce qui est écrit. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous irez au ciel manger les meilleures productions du pays. On dit quoi? Vous mangerez les meilleures productions du pays. Est-ce que vous savez que c'est un péché que dans un pays, les hommes rebelles aient les meilleures productions? En fait, c'est une violation à la volonté parfaite de Dieu. Les meilleures productions du pays sont réservées aux saints. C'est-à-dire les meilleurs avocats, les meilleurs mangues, les meilleures terres, les meilleures maisons, les meilleures voitures, les meilleurs postes sont réservés aux saints. Que Dieu te donne les meilleurs. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que Dieu te donne les meilleurs. Que Dieu te donne les meilleurs. Le meilleur mari, les meilleures femmes sont réservées à ceux qui craignent Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé le bonheur. C'est un don qu'il obtient de Dieu. Donc Dieu est capable de te donner une femme. C'est Dieu qui donne. Amen. Donc il y a des choses que Dieu accorde. Et quand Dieu accorde, au long terme, tu savoures, tu redécouvres de nouvelles facettes, voyez-vous, enivrantes. Amen. De ce que Dieu t'a donné. Parce que chaque chose qu'il te donne a toujours caché des choses que tu n'as pas vues de prime abord. Alors que quand le diable te donne, tu as tout vu d'abord. Et quand tu entres, c'est la mort. Que cela ne soit pas ton partage. Que ça ne soit pas d'abortion dans le nom suprême de Jésus. Voyez-vous? Donc, voyez, est-ce que c'est clair, quand nous voyons ces textes, que Dieu veut que nous ayons les meilleures choses? On est d'accord là-dessus? Et d'ailleurs, quand vous observez comment est-ce que Dieu a créé l'homme, l'homme n'a pas été créé de par sa volonté personnelle. Personne d'entre vous n'a prié pour naître. Vous savez, c'est aussi simple l'évangile. On aime le compliqué. C'est simple l'évangile. On dit en évangile, n'est-ce pas? Pas une évangile. Les gens aiment le compliqué. C'est simple l'évangile. Comment c'est l'évangile? Dieu est l'auteur de la vie. C'est simple. Je suis né parce que Dieu a voulu que je naisse. Donc la responsabilité de ma vie ne m'incombe pas en premier, mais incombe à Dieu. C'est pourquoi il n'était jamais donné de fabriquer l'air. Au seul moment où l'air a fini par manquer, voyez à quel prix on l'a vendu. Le Covid nous a enseigné des choses étranges. Ce n'est même pas de ta responsabilité de trouver à manger, c'est à Dieu de te donner. Et la Bible est claire là-dessus. Non, Dieu dit, c'est les oiseaux du ciel qui dessèment nos maçons de quoi manger. À plus forte raison, vous. Donc Dieu prend soin de toi. Ton travail n'est comme prétexte pour le transfert des ressources entre ta main. Ah oui, Dieu te donne tout ce qu'il faut pour que tu vives. C'est pour ça qu'il a créé l'homme, sachant que la responsabilité lui imputait de prendre en charge cet homme, le seul être de l'univers qui a nécessité que Dieu se déploie de sa bouche, de son intelligence et de sa main. C'est-à-dire l'être entier de Dieu a été déployé dans la création de l'homme. Alors que les plantes, il a dit, allez, que les plantes se produisent, que la terre produise, les plantes sont venues. Mais pour l'homme, la parole n'a pas suffi. Il a pris ses mains. Quand les animaux eux-mêmes ont vu Dieu descendre et puis il a mis les mains, il a commencé à façonner. On dit, les mains de Dieu ont commencé à dessiner quelque chose. Tout l'univers s'est arrêté pour regarder, pour dire, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Parce que Dieu a dû mettre ses mains pour façonner l'homme. Et il a soufflé dans ce corps. Il dit, voilà maintenant, on sort la vie. Et l'homme devient une âme vivante. Et la première chose qu'il dit à l'homme, soyez béni. Fais qu'on multiplie, assujettissez, remplissez, dominez. Donc il donne à l'homme un mandat de domination.
Alors maintenant qu'elle donne la domination à l'homme, tout de suite, regardez bien, j'ai fait une note. Voici, je vous donne toutes les bêtes portant la semence, c'est à votre nourriture. Donc il dit, vous aurez faim, mais je vous ai déjà préparé à manger. Donc tout ce dont vous aurez besoin est déjà là avant même que le besoin arrive. C'est ça l'intelligence de Dieu. Donc je ne peux pas te confier une mission et puis après tu commences à te débattre pour dire oui, comment je vais faire pour avoir l'argent pour le faire. Non, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Ah non, quand Dieu t'appelle, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut, même sans t'en rendre compte. Parce que quand tu donnes à l'homme le fruit d'apporter la semence, la survie de l'homme n'est pas dans le fruit, simplement n'est pas le fruit, simplement, mais c'est la semence dans le fruit. Donc il y a un potentiel dans le fruit que l'homme qui est inintelligent ne verra pas. Mais que l'intelligence de Dieu pourra percevoir pour permettre à la vie de passer à un autre palier. Réveillez-moi ce frère qui est souvent très combattu et qui dort. Alors que là, je te donne les clés pour que ta vie passe à un autre palier. Tu vois, non? C'est une autre dimension. Il n'y a que le diable qui peut te vouloir te faire dormir à ce culte. Tiens, tu as dormi une minute et puis déclare sur ta vie, je ne dormirai plus jamais au culte. Pendant que je continue le message. Non, je suis sérieux. C'est mon fils, il aime beaucoup Dieu, il aime Dieu. Et il passe par des combats. Fais ce que je te demande. Déclare, fais, je sais ce que tu traverses. Tu es un homme qui craint Dieu. Déclare sur ta vie, je ne dormirai plus jamais au culte. Plus jamais. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à la nuit. Amen. Amen. Ça peut arriver, frère. Ça peut arriver des oppressions. Et vous savez, chaque fois que vous venez à la présence de Dieu et que vous vous rendez compte qu'il y a un message trop nutriant et que vous commencez à vouloir dormir, demandez à votre voisin, donne-moi des coups de coude. Parce que là, tu sens que Satan attaque ta destinée. Il y a quelque chose dans ce culte qui va parler à ta vie. Et tu as tout fait pour être éveillé. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc Dieu nous a fait toutes choses afin que nous en jouissions. C'est pour ça que quand tu as été créé, il ne t'a pas mis dans le désert du Sahara. Il t'a mis dans le jardin d'Éden. Donc je ne comprends pas d'où vient la théologie de la souffrance, de la misère. Oh non Dieu, vous savez, les frères, vous n'avez pas la peine. Vous savez, le ciel. Non, ce sont des complices de Satan. On ne peut pas prêcher la misère si on n'a pas été soi-même envoûté par Satan. Je vais vous dire ce que je dis, il y a du poids. L'aveuglement spirituel est un signe de possession. Donc, l'aveuglement spirituel est un signe de possession. Si quelqu'un parle et dit, oh, vous savez, Dieu n'a pas vu que vous soyez riche, je vous dis la vérité, cet homme parle sous l'influence de la puissance de maman. Si vous êtes obéissant et docile, je vous donne la meilleure production. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Jean disait, ce voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruit. Mais moi, Jésus, je suis venu avec les brebis, elle a vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Le but de la vie, ce n'est pas de t'amener au ciel, mais c'est de te conduire d'abord dans l'abondance de la vie. Amen. Écoute-moi bien, je veux parler sous autorité divine et déclarer que tout ce qui est en ta possession va migrer abondamment vers les cimes au nom suprême de Jésus. Ah oui, et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Amen. Le jour où nous sortirons d'ici, pour cette église, de 5000 places, le premier culte sera déjà plein. Il sera déjà plein. Il sera déjà plein. Vous savez quoi? Parce que Dieu a en réserve les personnes qui attendent. Et parce qu'il ne veut pas nous embarrasser, il leur demande d'être des auditeurs lointains. Dieu prépare toutes choses avant l'avènement même. Amen. Vous comprenez? Donc tout est préparé, tout est prêt pour toi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il y a quelque chose de glorieux qui se passe. Amen. Dieu est tellement puissant. Faut être relax. Faut vivre tranquille. Pasteur, tu as avec toi un collaborateur qui pense qu'il est indispensable. Le jour où il part, son remplaçant était déjà là avant son départ. Je l'ai vu tellement de fois. Et puis tellement, Dieu le remplace au point où on oublie qu'il a existé. Ah, c'est un privilège de servir Dieu. Faut jamais faire de chantage à Dieu avec ta petite vie. C'est un privilège de le servir. Donne-moi ton meilleur amen. 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 Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. De l'avenir et de l'espérance. Dis après moi, j'ai un avenir en Christ. Amen. Encore, s'il te plaît. Amen. Une troisième fois. Amen. Est-ce que tu sais qu'en le déclarant, Satan perd en prise sur ta vie. Dis encore, j'ai un avenir en Christ. Amen. Alléluia. Donc il y a une raison d'espérer. C'est tout à fait anormal qu'un enfant de Dieu se suicide. Ah non, non pas du tout. Parce que ton avenir te réserve de belles surprises. De l'espérance.
Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Oh, je ne suis pas là pour te dire, oh, le sorcier de ton village, il a bloqué ta bénédiction. Et tu peux. Non, frère. Tu es à un endroit où les sorciers n'ont aucune capacité de bloquer ce qui est à toi. Je dis bien, aucune capacité. Aucune capacité de bloquer ce qui est à toi. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 5, verset 14. Mettez le texte, s'il vous plaît. Vous êtes, lisez ensemble, 1, 2, 3. Vous êtes la lumière. On a dit quoi? Encore plus fort? Le drame, c'est que certains d'entre nous, même notre petit quartier d'Angers, on n'éclaire pas. Petit Yopougon, on n'éclaire pas. La Bible dit monte. Il y a des gens qui font qu'une onction régionale, dans une petite cité, dans un petit quartier, et ils font du bruit. On peut pas monte. Que Dieu va te donner une amplitude internationale. Une amplitude internationale. Donne-moi ton meilleur amen. Une amplitude internationale. Donne-moi encore ton meilleur amen. Maintenant, regarde ce que Satan ne peut pas faire. Remettez le texte. Une ville située, disons, sur une... Continuez. Qui a le rôle? Qui veut cacher la ville? Non, qui veut cacher? C'est Satan. Mais on dit, sur une montagne ne peut être... C'est-à-dire, Satan ne peut pas. Là où Dieu t'a mis de sa main, Satan ne peut pas cacher. Ta gloire ne sera pas cachée, ton rayonnement ne sera pas caché, ta prospérité ne sera pas cachée, ton ministère ne sera pas caché, ton élévation ne sera pas cachée. Impossible. Bâti sur une montagne ne pourra être caché. En d'autres termes, si Dieu dit que tu es sur la montagne, c'est que tu deviens l'objet de contemplation. C'est-à-dire les gens te regardent à distance et puis on parle de toi. Est-ce que vous comprenez? Les gens parlent, on dit... Tellement tes résultats sont tellement terrifiants pour l'enfer, éloquents pour le ciel, que les gens racontent ton histoire, les gens parlent de toi, que les camarades de classe qui n'étaient pas de ta classe inventent et disent qu'il était assis à côté de moi. Tu deviens, tout le monde essaie de s'approprier ton histoire. Tellement Dieu a fait des choses incroyables par sa grâce dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Personne ne pourra te cacher. Alléluia. Personne ne pourra te cacher. Personne ne pourra te cacher. Je sais que tu es en train de me dire, pasteur, tu ne connais pas ma petitesse, mon petit niveau, mais le royaume de Dieu est semblable à une graine de sénévé qui a été mise en terre, qui est la plus petite des graines, mais quand elle est mise en terre et qu'elle se développe, elle devient la plus grande des plantes. Je déclare sur ta vie une excroissance, un développement spectaculaire, enivrant, puissant. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dise amen derrière, dis amen. Dis encore amen. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ça ton partage. C'est ta portion. Alléluia. Amen. Amen. Dis je veux le meilleur de Dieu. Encore. 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 Que Dieu t'accorde le meilleur. Assieds-toi s'il te plaît. Assieds-toi s'il te plaît. Je te donne 4 points qui vont te permettre de prendre le meilleur de Dieu. Tu es prêt? Maintenant prends tes notes. Prends tes notes. 4 points qui te donnent le meilleur de Dieu. Le meilleur. Vous savez, il y a des messages, ma soeur. Il y a des messages quand les gens prêchent, ils l'ont lu dans la Bible. Il y a des messages quand les gens prêchent, ils l'ont vécu. C'est toute la différence. C'est pas lu dans la Bible, c'est vécu. Et je te raconte mon histoire. J'ai dormi à la Gastif, à Adjamé. J'étais dans un camp de réfugiés. J'ai touché 15 000 francs par mois pendant 2 ans. Donc quand je parle, 3 billets de 5 000, quand je parle de ça, je sais de quoi je parle. Et le drame, c'est que, écoutez-moi attentivement, le drame, c'est que la méconnaissance de Dieu par certains ont fait de certaines théories sataniques des vérités qu'on prêche dans l'église. Frère, c'est pas quand la grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu avec toi ne veut pas dire que tout de suite ta vie va... Non, il y a un processus. Donc, je vais te montrer comment ça arrive. Simple. C'est pas compliqué. Simple. Première chose, c'est qu'il faut, un, connaître l'amour de Dieu. L'amour, un, connaître... L'amour de Dieu. Tu dois connaître l'amour de Dieu. Première des choses. L'amour de Dieu. La première des choses. Je dois aller à la dimension de la connaissance
de l'amour de Dieu. D'accord? Donc, je ne peux pas connaître l'amour de Dieu si je ne connais pas Dieu. Donc, tu peux mettre connaître Dieu et son amour. Connaître Dieu et son amour. Si je connais Dieu, connaître Dieu et son amour. Est-ce que vous savez qu'il m'arrive encore aujourd'hui de prier pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Permets-moi de te comprendre. Permets-moi de te connaître. J'ai vu des gens vieux, cheveux blancs, à un pas de la mort, parler de Dieu pendant des années, mais ne pas le connaître. J'écoute des messages et je dis, Seigneur, merci de m'avoir ouvert l'intelligence. Il faut connaître Dieu. Connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Qui est Dieu? Première chose qu'on doit connaître de Dieu, la première révélation de Dieu, c'est qu'il est bon. La première révélation. Quand Dieu lit la Bible, il vit tout ce qu'il a fait. C'était bon, c'était bon, c'était bon. Dieu est bon. La première chose de Dieu, il est bon. Dieu est quoi? Il est bon. Clair. Il est bon. Il est fidèle. Il est puissant. Il est amour. Il est bon, fidèle, puissant, amour. Donc tout ce qu'il fait est parfumé de l'arôme de son amour. L'arôme de son amour. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle ne veut pas dire le ciel, non, mais le char de vie de Dieu. Donc Dieu t'a donné ce prototype de sa vie, sa manière d'être à l'intérieur. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Connaître l'amour de Dieu. Donc il faut prier pour connaître Dieu. Une fois que tu connais Dieu, tu dois connaître son amour. Son amour pour toi va amener Dieu à des sacrifices pour toi. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse sur le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu et connaître Jésus. Je sais déjà, il y a des gens ici, ils connaissent Dieu et ils connaissent le manteau de leur pasteur. Mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est une insulte. Et le drame, c'est que nous, dans nos églises, le temps manquerait, vous m'en parlez un peu de l'histoire de l'église, hein. Nous arrivons à la dimension de l'église pentecôtiste, dite charismatique, où il n'y a pas d'ordre, où, à majorité au départ, ce sont les illettrés qui l'ont fondée. Alors, sur cette base-là, chacun veut s'approprier l'église comme étant la chose qui lui appartient. Donc, ce n'est plus devenu une collectivité, mais c'est devenu un cercle individuel. Donc, chacun dans son coin essaye, par des diverses pratiques, d'avoir le maximum d'adeptes pour sa communauté. Et ça devient un danger pour le corps. Voyez-vous? Bien, bah oui. C'est pas parce que je manifeste un don quelque part et que j'ai une église que je pense que mon église est exclue des autres. Non, le corps entier doit être uni. Donc, tant que je n'ai pas compris la notion du corps, je deviens moi-même un obstacle à l'accomplissement du mandat divin. Donc, il y a là l'importance de comprendre qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et quand tu connais Dieu, tu connais son amour. Éphésiens 3, verset 19 à 20. Et connais l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Wow. Dis en moi. Encore. Oh, là, je vais te donner un secret fort. La puissance qui agit en nous infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Gloire à Dieu, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc si j'ai vu Dieu agir avec Paul, j'ai vu Dieu agir avec Pierre, il a dit dans toutes les générations, ma génération ne passera pas, que Dieu agira au travers de ma vie. Alléluia. Amen. Dieu fait de toi le référentiel générationnel. Tu n'as pas compris. Ce sont les phrases inspirées de l'Esprit. Je vais faire de toi le référentiel générationnel. Dans le référentiel de ta génération. Donc Dieu va montrer par ta vie, dans cette génération, de quoi il est capable. Alléluia. Amen. Que cela soit ton partage. Le référentiel générationnel. Dans cette génération, on ne fera pas référence simplement à Abraham, Isaac et Jacob. Oh, le Seigneur me dit d'insister. Écoute-moi bien. Il dit, je suis le Dieu des vivants et pas le Dieu des morts.
Ça veut dire que Dieu ne prend pas plaisir à ce que tous les jours, le dimanche, on cite Abraham, Isaac et Jacob. Parce qu'il veut, dans la génération contemporaine, quelqu'un dont on peut donner le nom. Il faut qu'en bas de Jacob, on mette ton nom. Moi, quand je dis Abraham, Isaac, Jacob et Raoul Wafo, clair et net, si les gens n'ont pas connu Jacob, ils me connaissent. Si les gens n'ont pas connu Abraham, ils te connaîtront. De par les miracles que Dieu a accomplis dans ta vie. Dis encore Amen. Donne-moi ton meilleur Amen. Pourquoi te méprises-tu? Pourquoi ne crois-tu pas que Dieu soit capable de t'utiliser? Pourquoi es-tu si calme? Pourquoi n'arrives-tu pas à exprimer ta joie? Pourquoi ne crois-tu pas au miracle de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Crois en Dieu. Crois en lui, frère. Crois en lui. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Et Dieu m'a dit des phrases qui m'ont choqué. Je ne suis pas le Dieu des blancs. Seulement, je ne parle pas anglais. Simplement, je ne suis pas anglophone. Dieu m'a dit des choses qui m'ont bouleversé. Il ne faut pas regarder en disant Dieu est un Dieu des anglophones. Je parle anglais, mais je ne suis pas anglophone. Il ne faut pas penser que vous avez besoin d'aller aux États-Unis pour qu'on voit ma gloire. Si les anglophones ont vu la gloire de Dieu, les francophones peuvent la voir. On est dans une mentalité de crabe. Où on célèbre les pasteurs américains, les pasteurs anglophones qui ont 4 jets, 5 jets. On dit, oh Dieu les a bénis. Mais quand c'est un des nôtres, on dit, c'est un sorcier. Alors si c'est ce genre de sorcellerie, sois ensorcelé. Demande ton meilleur Amen. Il m'a dit, je ne t'ai pas appelé à lire la Bible, je t'ai appelé à la vivre. Que ta vie devienne une démonstration des Écritures. Une preuve irréfutable que la parole de Dieu marche. En ce qui me concerne, j'ai fait le choix du meilleur. 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 Frère. Ah oui, frère. Le roi me suit à force et la violence n'en parle. Est-ce que tu sais que tu es debout parce que tu es meilleur? Moi, je ne comprends pas. Les religieux, écoutez ça. Religieux, écoutez ça. Est-ce que tu sais que tu es debout parce que tu es meilleur? Vous étiez dans le ventre de ta mère. Vous étiez près de 2 milliards. C'est le meilleur qui est sorti. Et toi, tu penses que Dieu ne donne pas les meilleurs. Toi-même, tu es la preuve que Dieu aime les meilleurs. Les meilleures choses se sont réservées. Les meilleures places sont à toi. La tête est à ta place. Donne-moi le meilleur Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu aimait les faibles, vous serez sorti 2 milliards dans le ventre. Ta mère serait morte. Comment elle va porter 2 milliards de bébés dans le ventre? Dieu a sélectionné pour sortir le meilleur. Je veux le meilleur de Dieu. Parce que j'ai été conçu meilleur. Et encore, nous étions sur la terre nombreux. Amen. Regardez, il nous a prédestinés. Et maintenant, laissez-moi montrer le texte. Regardez, c'est fort, hein? C'est fort. Oh, ce n'est pas une histoire qui vient de toi. Ça vient de Dieu, donne-moi ton meilleur Amen. Ça vient de Dieu. Regardez. Ephésiens 1, verset 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Hey, hey. Ouh. C'est-à-dire qu'avant que ma mère ne rencontre mon père, policier de son état, Dieu savait que ce croisement allait engendrer la naissance d'un prédicateur émérite, d'un homme spécial. Et c'est pour ça que le père et ma mère étaient ensemble. Peut-être cette nuit, la veille à table, ils ont vu des disputes, mais ils ne savent pas comment cette nuit-là, ils sont quand même allés ensemble. Parce que ma venue était programmée à cette heure et je devais entrer dans son ventre. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Personne n'éteindra ton étoile. Oh, personne n'éteindra ton étoile. Personne n'éteindra ton étoile. Remettez le texte. À lui, il a élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Nous ayant prédestinés dans son amour. Son amour nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En d'autres termes, je suis né de nouveau de par sa volonté. Donc ce n'est pas ma responsabilité simplement. C'est aussi la sienne, elle est engagée. C'est sa volonté. Il m'a prédestiné à la louange de la gloire de sa grâce. Afin que la grâce qu'il y a dans ma vie serve à l'expression de son témoignage. Que quand les gens regardent, ils disent non, Dieu est grand. Amen.
C'est-à-dire, on n'a pas dit seulement gloire, mais la louange, à la louange de la gloire de sa grâce. C'est-à-dire, la grâce d'abord est puissante, mais on parle de la louange de la gloire de la grâce. Donc, c'est le côté crémeux de la grâce, ce qui est au-dessus de la grâce, ce qui donne à la grâce d'être sublimante. C'est ce côté exceptionnel. Vous savez, il y a des gâteaux, on te donne le gâteau, il n'y a pas de crème. On te donne la partie d'en bas. Mais quand on te sert en VIP, on coupe une partie, on laisse la crème dessus. Donc ta grâce est crémeuse. Il y a la crème au-dessus qui te donne d'avoir les meilleures parties dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Vous saisissez vous-même de par l'intelligence de l'esprit que tel que je vous parle, ce n'est pas moi. Parce que les mots et les expressions que j'utilise ne viennent pas de moi, ils viennent de Dieu. Ce que je vous dis, ce que j'entends le Père me dit de vous dire. Je n'ai pas dit exactement au premier culte de la même manière. Je vous parle parce que Dieu te connaît. Je m'adresse à toi, toi qui m'écoutes en ce moment quelque part. La crème de la grâce. 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 L'élite de Dieu. L'élite de Dieu. L'élite de Dieu. L'élite de Dieu. Les choisis, les élus, les mis à part. Le prototype spécial. Conçu uniquement pour révéler la grandeur de Dieu. Les racheter, les mis à part, la prunelle des yeux de Dieu dans cette génération. Donne-moi encore ton meilleur amen. Alléluia. Hey! Come on. Ah, Dieu. Et vous savez quoi? Dieu t'a aimé et m'a aimé de la même manière qu'il a aimé Jésus. J'ai dit quoi? Dieu t'a aimé et m'a aimé de la même manière qu'il a aimé Jésus. Dans l'amour que Dieu a eu pour Jésus n'est pas au-dessus de l'amour que Dieu a eu pour toi. Et vous voyez, pour le religieux, ça ne passe pas. Comment il peut oser dire que Dieu m'a aimé comme Jésus? Non, Jésus est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères. Il dit tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc ça veut dire qu'on a eu le même amour. Comme le Père m'a envoyé, Jésus a dit, moi aussi je vous envoie dans les mêmes conditions, avec la même grâce, avec la même présence, avec le même amour. Allez-y et soyez porteurs de fruits d'évidence qui prouvent que la parole de Dieu marche. Amen. Ce que je n'ai pas obtenu, obtenez. C'est pour ça qu'il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Il s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. Donc il n'a pas connu la richesse pour que tu sois riche. Donc, en d'autres termes, tu exprimes mieux sur la terre l'immensité de l'humanité que Christ l'a fait. Parce qu'il était obligé de certaines privations pour la restauration de ta vie. Toi, ça devient quelque chose de plus fort. La preuve, Jésus ne s'est jamais marié. Toi, tu te maries. Vrai ou faux? Jésus n'a pas eu d'enfant. Tu auras. Ou tu as. C'est pas clair? C'est clair. Donc, il y a des choses que Jésus n'a pas goûtées que tu as goûtées. Jésus n'a pas connu Internet. Tu connais. Je parle ici et je parle en même temps aux États-Unis, je parle en même temps en Chine. Jésus ne pouvait pas faire ça. Aujourd'hui, je prêche, on m'entend aux quatre coins du monde. Jésus n'a pas eu la même opportunité. Il a été cantonné en Israël, mais il m'a donné la grâce de parler sur la terre. Celui qui croise en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même le plus grand. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Dis après moi, je révèle la divinité. Encore, s'il te plaît, dis-le. Encore. Maintenant, assieds-toi parce qu'on en a le deuxième point très important. Alors, renouvelle ton intelligence. J'ai dit quoi? Renouvelle ton intelligence. J'ai dit quoi? Renouvelle ton intelligence. Après la nouvelle naissance, renouvelle l'intelligence ou alors la metonaïa. Elle est l'œuvre la plus importante qui prend place dans la vie du croyant. J'ai dit quoi? Renouvellement de l'intelligence. Oh, rabo sakabre ndere kataba. Brokoshitaka, c'est très deep ce que je vais vous dire. Est-ce que vous savez que notre esprit qui a été régénéré est un esprit parfait? Qui le sait? Vous êtes étudiants, vous le savez, l'esprit est parfait. Notre âme n'est pas parfaite. Notre corps non plus. Mais notre esprit est parfait. Et notre esprit a été créé selon l'image de Dieu. Récréé selon l'image de Dieu. Le Saint-Esprit habite notre esprit. Alors, celui qui est en nous est dans notre esprit. Notre esprit est dans notre corps. Mais notre esprit... Dans notre esprit, nous avons tout ce que Dieu veut que nous puissions posséder. Donne-moi ton meilleur amen. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que mon intelligence doit autoriser à mon esprit de prendre le gouvernail de ma vie. Donc, mon âme peut décider de ne pas donner à mon esprit d'avoir la première place. Et c'est pourquoi ton système de pensée doit tout de suite s'aligner au système de Dieu. Alors, le diable, sachant qu'est-ce qu'il va faire, il va
a fait intrusion dans ton système de pensée et t'a amené à ne pas accepter la vérité comme étant la vérité. À partir du moment où tu n'acceptes pas la vérité, même le Saint-Esprit en toi ne peut pas agir. Ça, on dit l'esprit de vérité. Alors, si l'esprit de vérité est en toi et que dans ton âme, il y a le mensonge, c'est fini. Il faut aligner la vérité dans ton âme, dans ton système de pensée, pour que le Saint-Esprit opère par ta vie. Voilà le vrai problème. Les gens viennent à l'église, alléluia, amen, alléluia. Mais en ce qui concerne le système de pensée, ils ne sont pas renouvelés. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas pour dire, ouais, dans tous les cas, je lis Satan. Non, le vrai combat spirituel, c'est pas dans ton âme. La Bible dit, Éphésiens 6, verset 16, par la foi, vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. Par la foi, pas par le combat spirituel, simplement par la foi. La foi, c'est le meilleur combat spirituel qui existe. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, j'en dans une maison, on dit, elle est hantée. J'ai dit, hé, Satan, je suis venu dormir. C'est terminé. Je n'ai pas besoin de faire de grandes prières. Je dors dans cette maison hantée. Et les démons me laissent dormir en paix parce que ma présence les chasse. C'est tout. Parce que si je suis dedans, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je dois renouveler mon intelligence. Tu sais quoi? Je n'échoue pas. Les gens pensent que c'est orgueilleux, mais je n'échoue jamais. Ça c'est clair, je n'échoue pas. Je pue tout par Christ. Je surmonte les batailles. Je suis clair et net. Je sors vainqueur de tous mes combats. Si quelqu'un se pose avec moi, à moi, il est déjà perdant. Quel que soit son rang, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, il est perdant d'avance. Parce que je ne combats jamais seul. Je suis accompagné par les anges. Je sais qui je suis. Ma mentalité est renouvelée. Tu me vois noir. J'aime ma peau. Je n'ai aucun complexe. Aucun. Aucun complexe. Je suis comme je suis. Et comme Dieu a conçu, c'est comme ça que je suis. J'ai appris une chose, la performance n'est pas due à la pigmentation de la peau. La performance est due à l'âme. Alors je fais attention à comment je traite mon âme. Mon âme a plus de valeur que mon corps. Mon corps est le véhicule qui conduit mon âme. Le véhicule n'est pas plus important que le propriétaire. Alors je fais attention au propriétaire plus qu'au véhicule. Il y a des gens, ils passent leur temps au garage avec leur véhicule pour niqueler leur véhicule, mais eux-mêmes, le conducteur, ils sont sales. Prends d'abord soin de toi-même avant ton véhicule. Ton âme est plus importante que ton corps. Mais ton corps doit refléter ton âme. Il doit y avoir une harmonie entre ton esprit, ton âme et ton corps. C'est ton travail personnel par la parole de Dieu. Alors je prends le temps de la méditation. Quelqu'un dit après moi, méditation. Encore méditation. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour celui dont le Dieu nécessaire à aveugler leur intelligence. Mettez 2 Corinthiens 4, verset 4, s'il vous plaît. Mettez ce texte. Si notre évangile, voyez, pour les incrédules dont le Dieu nécessaire à aveugler l'intelligence. Pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de la gloire de Christ. Voyez, le Dieu nécessaire à aveugler l'intelligence. Qu'est-ce que Satan fait? Il t'aveugle. Hé, hey, ma soeur, tu n'as pas compris. Je t'attends. Quand tu lis là, je sens que tu n'as pas compris. Il lit encore. Je sens dans tes yeux que tu n'as pas bien compris. Il dit quoi? Remettons le texte. Je sais voir dans les yeux. Quand la foi n'est pas encore entrée, je sais. Il dit, pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. On n'a pas dit les païens, les incrédules. Je peux être né de nouveau et je suis incrédule. L'incrédulité peut se trouver dans le cœur de quelqu'un qui est né de nouveau. Voyez-vous, a aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne vissent point briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc il y a des gens qui croient en Jésus et qui pensent que pour lui, dans tous les cas, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. On est d'accord? Je vais aller au ciel. Et la Bible dit, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc la mentalité est aveuglée. Celui qui croit que Dieu ne peut pas guérir, il ne sera jamais guéri. Mais alors que la Bible dit par les mains du ciel que nous avons été guéris. Mais maintenant, si tu ne crois pas, tu n'es pas guéri. Les gens pensent que la guérison, c'est qu'il faut que le pasteur vienne m'imposer les mains. Non, tu peux rester chez toi et te dire, hé, Satan, tu t'es trompé, je suis guéri. Oh non, je suis problème Jésus. C'est terminé. Si tu crois, tu vois. Tu crois, tu vois. Tu crois, tu vois. Ne soyez pas toujours sujet au fait que le pasteur vous impose les mains.
parce que Dieu a besoin de toi aussi. Il peut t'utiliser et il va t'utiliser. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru, lève les mains. Qui a cru, lève les mains. Ah oui, que les signes t'accompagnent. Que les signes t'accompagnent. Que les signes t'accompagnent. Que les signes t'accompagnent. C'est ça l'évangile. J'ai cru. J'ai quoi? J'ai cru. Encore, j'ai quoi? J'ai cru. Simple. Les signes accompagnent. Donc ne permettez pas à Satan de voiler votre intelligence. Ouais, est-ce que vraiment Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu... Vrai. Comment tu peux imaginer? Vous savez, quand ton enfant de Dieu est béni, ouais, mais est-ce que c'est normal? Quand même, est-ce que c'est normal que... Par rapport à quoi? La norme, c'est quoi? Quelle est la norme? Si par un seul homme le péché entre dans ce monde, la Bible dit, ok, si par le foi d'un seul homme a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice ne régneront-ils pas dans la vie? Romains 5, verset 17. Je règne. Pourquoi vous croyez que la mort a toujours un pouvoir et vous ne croyez pas à la vie? Je suis du règne de la vie, pas de la mort. Jeune homme, tu as compris ça? Je suis du règne de la vie et pas de la mort. J'ai dit quoi? Je suis du règne de la vie et pas de la mort. J'ai dit quoi? Je suis du règne de la vie et pas de la mort. J'ai dit quoi? Je suis du règne de la vie et pas de la mort. Claire et net. Et c'est pourquoi, vous savez, j'ai décidé de faire la parole de Dieu la norme de ma vie. Ah ouais, 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 ouais. Quand je me suis marié, j'étais jeune, hein? Ma mère habitait à près de 500 mètres. J'étais dans un autre coin. Ma mère, une bonne cuisinière. Beaucoup à manger à la maison. Il y a toujours des morceaux de viande abondants quand on a grandi à la maison. Quand je me suis marié, très jeune, j'ai décidé de ne plus jamais aller manger à la maison parentale. Il y a des jours, je mangeais du pain avec du sucre. Et j'allais à la boulangerie demander les pains qui ont dormi pour qu'on me vende à vil prix. Je trempais ça dans le truc et je mangeais. Mais il faut passer par cette école. Parce que j'ai dit à Dieu, je vais voir ta gloire. Le problème d'entre vous, c'est que vous dites que vous avez confiance en Dieu, mais vous regardez aux hommes. Il faut faire confiance en Dieu. Il faut faire confiance en Dieu. Oh, mais pasteur, il faut vraiment. Non, frère, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Tu as Dieu, toi-même. Par celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, en toi. Dis, la puissance est en moi. Encore, la puissance est en moi. Une dernière fois, la puissance est en moi. Le problème, c'est ça. Vous ne voulez pas chercher la solution en vous. Dès qu'il y a un petit problème, oh mon homme, oh ma tante, oh mon frère, oh mon ami, arrête. Arrête de parler de ton problème à tout le monde alors que le ciel est ouvert. Arrête. Personne ne t'a appelé. Personne ne t'a appelé. Arrête. As-tu parlé de ce problème à Dieu? As-tu causé avec ton père? Il dit, lorsque vous priez, dites, notre père. Parle à ton père. Vous êtes devenu tellement paresseux que prier même 15 minutes par jour vous dépasse. Après, j'ai dit, je règne, je règne. On vous a dit qu'on règne comme ça? Non, il faut apprendre le temps, de l'intimité, dans la présence de Dieu. Tu t'habilles sapé en costume, mais tu n'as même pas fait 5 minutes de prière. Tu ne vas avoir honte. Tu vas te déshabiller à la porte et puis rentrer prier. Ah oui! Ah non! Tu vois une salle, une dame, elle est sapée, talons rouges, tout ça. Mèche, tout ça. Mais ça fait 7 jours, elle n'a pas prié une minute. Même à l'église, quand on dit répéter, elle ne répète pas. On dit amen et dit amen. À quoi tu as dit amen? Parce que tu ne construis pas ta vie spirituelle. Alors que tu dois avoir une vie spirituelle par la puissance qui agit en moi. Par la puissance qui agit en moi. Par la puissance qui agit en moi. C'est ça. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Ton enfant tombe malade, tu dis, hé, couche-toi là, au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie. Relève-toi, tu es en bonne santé. Au nom de Jésus, c'est clair et net. La puissance. Nous sommes générateurs de puissance. J'ai dit quoi? Générateurs de la puissance divine. La puissance qui agit en toi. Tu ne peux pas avoir le meilleur de Dieu si tu ne fais pas usage. Essaye de renouveler l'intelligence. Accéder à cette page, ce palier de la manifestation de la puissance. Tu as un problème, tu t'enfermes, tu dis, ah, je vais avoir une solution. Amen. Tu parles la langue.
Père, je sais que j'ai la solution, elle est à moi. La solution est à moi, elle est à moi. Mais je veux capter la fréquence. Isole-toi, isole-toi, isole-toi. Capte la fréquence. Arrête de te balader. Restaurant, tu es là. Invitation, tu es là. À la mort, tu es là. Au funérail, tu es là. À l'église, tu es là. Mais avec Dieu, tu n'es pas là. Isole-toi. Prends le temps. Prends le temps, c'est ta vie. Prends le temps. C'est pas ma vie, c'est ta vie. Prends le temps de ta vie. C'est pas ma vie, c'est la tienne. Frère, c'est ta vie. Personne ne peut l'aimer mieux que toi. Arrête de dire vraiment, le pasteur n'a pas besoin de moi. Et toi alors, le voile du temple se déchirait de haut en bas. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Enferme-toi un tout petit peu. Et dis à Dieu, je veux voir ta gloire. Enferme-toi, cette bataille doit être remportée. Enferme-toi et dis à Dieu, prends quelque temps dans sa présence. Arrête de te laisser emporter par les soucis de ce siècle. Et laisse Dieu te montrer sa gloire. Amen. Tu as essayé trop par toi-même. Amen. Descends sur tes genoux par humilité. Et dis, c'est la fin ici. Je reprends les choses en main. Vous savez, tu ne peux pas faire 45 minutes de make-up le matin et puis 5 minutes de prière. Première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, cinquième couche. Maintenant, on va lustrer. On fait le lustrage. Après, on fait le verniage. Après, on assombrit encore. Et puis, on sort. Ah oui, tu as fait tout ça, mais tu n'as pas pris le temps de prier. Est-ce que vous savez que il y a un de mes fils, vous savez, mes fils, je vais vous dire des choses profondes. Je vais vous parler sérieusement. Yes. Vous ne vous fâchez pas. Yes. Je peux? Oui, papa. Un de mes fils voulait épouser une fille. Et la fille est venue me voir à l'église, c'était un soir. Il m'a dit, il veut me montrer la fille. Quand la fille est passée chez son coiffe, thermomètre, thermomystico-spirituel, paf. Dès qu'elle est passée, j'ai capté les fréquences. Tu as dit, elle passe, il n'y a pas de vent, mais tu sens le vent. Il y a quelque chose dans le règne d'esprit. Et elle ne marche pas seule, elle est encadrée. J'ai regardé mon petit, j'ai dit, si tu es sûr que tu es lourd, tu peux y aller. C'est là, c'est compliqué. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, je n'ai pas menti. Je lui ai dit, là, c'est cool. C'est-à-dire, la fille qu'on voit là, elle n'est pas seule. Il m'a écouté, heureusement. Les années, les temps sont passés, les mois, il m'envoie une vidéo. Hier, avant-hier, j'ai pas eu le temps de regarder. Hier, je m'assois au bureau, là, je suis venu, bureau travailler, et puis j'ouvre la vidéo. Quand j'ouvre la vidéo, j'ai crié, mais quand j'ai vu la fille, déjà les vidéos que les gens font sur Instagram, quand j'ai regardé, j'ai dit, my God, vous ne pouvez pas atteindre ce niveau-là si vous n'êtes pas escorté par le diable. Et il y a des niveaux de présence que vous voyez des femmes faire dans la ville. Si Satan ne t'a pas habité, tu ne peux pas avoir ce courage. Il y a des courages qui sont mystico-sataniques. C'est-à-dire que tu vois, il y a des femmes, tu vois, elles s'habillent d'une manière. C'est pour ça que je dis que faites attention. Vous êtes à l'église, on vous voit d'une manière. Vous êtes au monde à une autre manière. Que Dieu vous révèle. Écoutez-moi, non, je dis bien, vous savez, il y a des gens à l'église, là, vous les voyez à l'église, vous ne les connaissez pas, hein? Vous ne les connaissez pas, frère. Parle en langue. Vous dites, Dieu, montre-moi qui est cette fille. Amen. Et que la nuit, l'image, l'écran t'affiche qui est la personne. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec vos destinées. Il y a des hommes qui sont à l'église parce qu'on leur a demandé une sœur en Christ. Ils font semblant de ne pas être mariés. Ils ont chassé les femmes, ils ont envoyé au Canada, ils ont envoyé en Suisse. Parce qu'ils veulent sacrifier une femme. Et toi, tu ne sais pas qu'ils sont mariés. Pasteur, c'est l'homme que je veux. Tu l'as lu? Tu n'as pas pris le temps de prier là, papa. Il t'a embrouillé avec une petite voiture. Petit frayon, on a mis là-dedans. Tu es morte. Je vous parle avec expérience. Je connais une fille dont on a tué la destinée à cause d'un homme qui est venu. La destinée a été ébranlée totalement. J'ai pleuré devant Dieu pour dire Seigneur. Mais Dieu dit c'est son cœur. Amen.
C'est son cœur. Tu ne peux rien quand le cœur d'un homme se rebelle à Dieu. Tu peux rien. Comment pouvez-vous négliger? Dieu a le meilleur pour toi. Tu as le meilleur, frère. Tu as le meilleur pour toi. Si Dieu te donne ce qui est minable, c'est que le minable cache ce qui est meilleur. Dieu n'a jamais donné quelque chose qui n'est pas bon à une personne. Je préfère ce que Dieu me donne. Même si ça a l'apparence de rien, je sais que ce rien cache quelque chose de très beau. Donne-moi ton meilleur amen. Je ne sombrerai pas dans la séduction de Satan. Déclare ça après moi. Satan, tu ne me tromperas pas. Satan, tu ne me séduiras pas. Déclare-le! Alléluia. Amen. Je l'ai vu à l'église, hein. Pasteur, il y a des gens qui sont dans ton église, ils ont l'argent, mais ce sont les messagers de l'enfer. Ils viennent amener ta foi en eux. Ils viennent te déconnecter de ta confiance en Dieu. Ils commencent à te faire des offrandes secrètes. Premier mois, 10 millions. Deuxième mois, 10 millions. Troisième mois, 5 millions. Après, 10 millions. Après, 15 millions. Après, 7 mois, tu ne pries plus pour demander à Dieu une provision. Parce que tu penses que c'est la personne que Dieu a envoyée. C'est le problème qu'avait eu Élie au bord du torrent quand le corbeau est arrivé. Et Dieu a dit, mon petit, je t'ai envoyé le corbeau, je ne t'ai pas demandé d'amitié avec le corbeau. Corbeau, arrête de venir. Change de localisation. Tu vas aller chez la veuve. J'ai ordonné à la veuve de te nourrir. C'est-à-dire, il n'a pas dit, tu vas aller bavarder ton longtemps. J'ai déjà donné l'ordre. Quand Dieu te déplace dans un endroit, il y a déjà une provision. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a déjà une provision. C'est pour ça que j'ai dit, frère, vous pouvez choisir de ne pas faire l'offrande au temple de la foi. L'offrande de la foi sera toujours riche. Parce qu'avant que je ne vienne, les offrandes étaient déjà préparées. Ah oui, déjà. Dieu prépare la provision. Je n'ai aucune confiance à placer dans la poche de quelqu'un. Aucune. Malheur à moi. Le jour où je ferai confiance à la poche de quelqu'un. Malheur à moi. Le Dieu que je sers a des poches pleines. Je ne peux pas me contenter des miettes de la table alors que mon nom est sur la table. Je refuse d'être invité aux miettes. Je veux manger au banquet de Dieu. Au cocktail où Dieu me donne la liberté de choisir ce que je veux. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors il vient t'expliquer que non, tu sais, en fait, Dieu m'a mis à cœur de prendre une deuxième femme, une troisième femme. Et puis, il est devant, il est assis. Mais comme il te donne beaucoup d'argent, tu ne peux plus rien dire. Malheur à moi! Que de telles choses ne nous arrivent pas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen, dis encore amen, dis encore amen, dis encore amen. Le meilleur de Dieu, c'est à Dieu. Hey! Élie, déplace-toi maintenant. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu a le meilleur. Même dans les temps de crise, il a le meilleur pour ses fils. Il a le meilleur. Il ne va jamais te laisser tomber. C'est ton grand Dieu. Amen. Donc c'est important, il faut voir la révélation. Dis après moi, révélation. Encore révélation. Une troisième fois, révélation. Quatrièmement, voyez-vous, c'est important de comprendre ce qui se rattache à son identité. D'avoir la révélation profonde de l'identité. Quand la Bible dit que tu es enfant de Dieu, c'est quoi enfant de Dieu? C'est quoi un enfant de Dieu? Il y a une alliance qui sous-tend ta vie. Il y a une alliance qui tient ta vie. Tu es obligé parce qu'il a parlé à ton père Abraham. Tu es encore amen. Amen. Oh, Dieu tout-puissant. Souvent j'ai envie d'entrer moi-même dans votre cœur pour ouvrir. Et puis écrire dedans. Parce que c'est des choses qu'on doit saisir et vivre. Si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Et pendant que j'étais en train de prier, entre le premier culte et le deuxième culte, parce que je ressentais, mon âme n'était pas totalement satisfaite. Et je disais à Dieu, y a-t-il quelque chose que j'ai raté? Et puis j'entends Dieu me dire, dis à mon peuple que j'ai déposé en chacun d'entre eux mon ADN. Donc cette phrase est remontée dans mon esprit. Et donc à ce point, je veux te dire que Dieu me dit de te dire que la vie divine qu'il a déposée en toi, c'est aussi son ADN qui est présente. Donc Dieu a déposé son ADN, donc sa capacité est en toi. Il te rend amen à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es aussi amen, comme Dieu et héritier de Dieu. Galates 3, verset 29. Si après moi j'ai un héritage, et lisez tout le livre de Galates 4, la Bible parle de l'héritage que tu as en Christ. C'est ton héritage qui est à toi.
C'est ton héritage qui te revient. Alléluia. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ton héritage. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai un héritage. Je jouis de mon héritage. Je possède mon héritage. Amen. C'est à toi. Et l'héritage est pluridimensionnel. La santé est à toi. La sagesse est à toi. L'intelligence est à toi. Le mariage est à toi. L'élévation est à toi. La richesse est à toi. La gloire est à toi. La paix est à toi. La joie est à toi. L'honneur est à toi. Toutes ces choses sont à toi. C'est ton héritage en Christ. Tu n'as pas besoin de dire, ouais, Seigneur, Léma, pardon, donnez-moi. C'est à toi. Comment vas-tu continuer de demander ce qui t'appartient? C'est à toi déjà. Il t'a déjà accordé. C'est comme si je te donne l'argent et puis tu me continues me dire, est-ce que tu peux avoir l'argent? Je dis, hey, mon frère, tu as l'argent. Mais c'est où? Il est là, l'argent. C'est où? Fouille ton sac, c'est dedans. Hey, l'argent est là. Elle est allée chercher. Ouvre ton sac. L'argent est dedans. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Dis, j'ai tout pleinement en Christ. Encore. Une dernière fois. Dieu est tellement bon. Vous savez, vous ne pouvez pas, en tant que fils de Dieu, marcher avec Dieu sans initier dans ses voies. Les voies de Dieu sont des voies surnaturelles. Vous savez, Dieu va vous enseigner le surnaturel. Soyez prêts à ça. Amen. J'allais prêcher aux États-Unis. Je suis à Silver Spring. Et je prêche à Silver Spring, la première fois que j'arrive aux États-Unis. Et je prêche dans cette belle église d'un pasteur congolais. Et donc, il me bénit $300. Ils étaient tellement contents. J'avais prêché sur la destinée prophétique. Vous savez, il y a des moments de votre vie, vous ne pouvez pas les oublier. Parce que ça marque votre histoire. Alors ce jour, j'ai lancé l'appel. J'ai dit, quels sont ceux qui sont parmi vous qui veulent rentrer en Afrique? Parce que vous vous sentez compte que vous avez raté le pas de Dieu. Et il y a 3 personnes qui se sont levées. Ils sont en Amérique. Ils veulent rentrer en Afrique. Et j'ai prié pour eux. Et donc le pasteur était, waouh. Il m'a dit, voici les mots, tu as une notion pure et fraîche. Jamais oublié. Il dit, tu as une notion pure et fraîche. Il dit, je vais t'ouvrir les portes, tu vas aller prêcher dans une église ghanéenne. Là-bas, ils vont te donner au moins $2,000. J'ai dit combien? $2,000. Je touchais 15 000. Et puis, on me promet 1 million. À l'époque, le dollar, c'était 500 francs le dollar. 1 million. Donc, c'est $300 qu'il m'a donné. Là, j'ai caché l'enveloppe là. Mais, dès cet instant, j'ai entendu $2,000. Ma tête a commencé à se boum, boum, boum. $2,000. Je ne pouvais pas imaginer que tu prêches et puis on te donne $2,000. $2,000. Je suis arrivé dans des endroits, j'ai fait 1 heure en train de parler avec quelqu'un, de prier pour lui. Il a sorti $100,000. Et à l'époque, je ne savais pas qu'on peut donner $2,000. Et puis, il m'a donné ça, il m'a dit, Révan, c'est tout ce que j'ai, je t'envoie le reste après. Il a dit, en suppliant. Hey, que Dieu te fasse changer de saison. Que Dieu te fasse changer de saison. Que la grâce de Dieu te localise dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Hey! J'ai dit, pardon, excuse-moi, j'espère que tu n'es pas fâché. $100,000, j'espère que tu n'es pas fâché. Ah, Dieu, il fait des choses. Et puis, pendant que je suis au baisement, en train de grande grâce à Dieu, et je suis content. Vous savez, la joie où tu as la joie, c'est que tes os tremblent. Tu sais, il y a des joies qui peuvent te créer des arrêts cardiaques. C'est-à-dire que tu es tellement dans la joie que tu es saturé. Et puis Dieu me dit, tu n'auras pas passé dans cette église. J'ai dit, Seigneur, je vais partir. Vous savez, je suis sincère, je vais partir. Quoi? D'abord, je me dis, est-ce que c'est moi-même qui me parle? Je vais partir. Pian, j'irai. Je vais prêcher. La voix insiste, tu ne partiras pas. Et puis le Seigneur me demande, mais pourquoi tu veux partir dans cette église? Je lui réponds, je dis, papa, $2,000. Je suis à Abidjan, j'ai 15 000. Je lui rappelle, j'ai 15 000. On me dit 2 000, 1 million. Après, toi-même, tu sais, je dois partir. C'est pour ta gloire que je pars. Pour ta gloire. Mais vous voyez, tu es tellement convaincu que non, tu dois aider Dieu à trouver l'argent pour ce à quoi il t'a appelé. C'est pour ta gloire. Et le Seigneur me dit, mais non, attends, c'est pour l'argent que tu vas prêcher. Je t'interdis d'aller prêcher pour l'argent. Tu n'iras pas. Appelle le pasteur et annule le rendez-vous. Vous savez, souvent les gens, ils voient des gens et puis ils disent, ce gars, il est béni. Mais vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Si ce jour, j'avais refusé ça, j'aurais raté la promotion vers un autre palier.
Je l'ai appelé, je lui ai dit. Il m'a demandé pourquoi, mais je ne pouvais pas lui dire. C'est une affaire entre moi et Dieu. C'est pas je parle aujourd'hui en riant, c'est une affaire qui faisait mal. Ça fait mal. C'est là où tu as l'impression que Dieu a décidé de te faire souffrir. Ah non, sérieusement, t'as dit, tu es convaincu que non. Dieu veut te faire souffrir. Qu'en fait, tu te rappelles, ah ouais, peut-être parce que bon, j'allais trop en boîte de nuit, mais il est en train de me punir. Donc tu acceptes, tu commences à accepter des doctrines amen, qui viennent dans ta tête. Clairement, non. C'est générationnel. En fait, quand toi, tu fais partie de la lignée des Jean-Baptiste, vous n'allez jamais avoir le bonheur. Vous savez, dans le désert, tout. Toi, tu commences à accepter des messages. Tu es convaincu. Authentique. Je vous dis la vérité. Vous savez, souvent, quand je vois les gens qui sont en train de croire qu'il faille absolument qu'on coupe les cordons ombilicaux et les liens, je les comprends. Il y a des souffrances qui peuvent t'amener à remettre en cause l'évangile. Non. Il y a des souffrances quand tu passes dedans. On te dit ta grand-mère, c'est elle. Dis Amakubaka, Amakubaka. Tu dis Amakubaka, Amakubaka. Tu es tellement dans la souffrance que tu oublies tout. Tu oublies tout. Sérieusement. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas elle qui était en Christ, mais tu ne connais pas par quoi elle passe. C'est Dieu, je le fais. C'est le feu. Le pasteur est venu me chercher. Il m'a amené dans le supermarché. Je n'ai jamais oublié. Vous savez, il y a des marchés discount où vous avez les Africains aiment aller. On dit des discount. Tout à 1 dollar, tout à 2 dollars, tout à 10. C'est là-bas. Bon, à cette époque-là, mes frères, c'est ce que tu peux acheter. Tu es en dedans, même si tu es content. Je suis dans le magasin, je trouve mon sac là, je dis c'est pas mal. Je prends le sac, je vais à la caisse, je paye le sac. Je rentre à la maison, je suis content. J'ai mon sac de missionnaire. Je vais maintenant ouvrir le sac pour mettre maintenant mes affaires dedans. Quand j'ouvre le sac, ça a été une des plus belles. C'est-à-dire, en fait, tu ne vas jamais servir Dieu. Écoute-moi bien, si Dieu ne t'a pas initié au surnaturel. Il te faut des témoignages authentiques. Tu as besoin des évidences que la Bible marche. C'est pas, j'ai dit bien des évidences. C'est-à-dire, tellement fort que ça grave dans ton âme un autre mindset. Une autre capacité de penser à Dieu. Quand tu penses, tu te dis non, Dieu va me surprendre. J'ai ouvert le sac. Pied neuf, collé. Tu vois le genre de bien que tu fais. Pour détacher. Ah, bon Dieu. Tu vois les pieds. Après la première réaction de mon enfant de Dieu. Mon bon enfant de Dieu, c'est tu peux pas la haine des gens. Il faut aller remettre. Je prends le sac. J'ai dit, je vais remettre au cas. Quand je vais franchir, je sors du basement, sortir du portail. J'entends clairement Dieu qui dit, qui a mis le statère dans la bouche du poisson? Quand Pierre allait pêcher, je dis, Seigneur, c'est toi. Il dit, tu viens de vivre le même miracle. Parce que tu as obéi à ma voix et que tu n'es pas parti prêcher, je voulais te montrer que tu n'as pas besoin de prêcher l'évangile pour avoir de l'argent. Mais tu as besoin de m'obéir pour avoir de l'argent. Si tu fais ma volonté, tu ne manqueras de rien. Et je veux te dire la même chose. Que Dieu ne te fasse manquer de rien. Que l'abondance soit ton partage au nom suprême de Jésus. Que Dieu t'amène à notre palier de la jouissance de ses grâces. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous savez quoi? Chaque fois que Dieu te fait grâce, la grâce est amplifiante. C'est-à-dire, elle va se développer. Elle va s'accroître. Je vous donne les rendez-vous de témoignages de l'an 2000. Imaginez donc en 2023. 23 ans plus tard. C'est quand 24, c'est compliqué. 24 ans après, le chat dont Sean a grandi. Brutal. Ah oui, que Dieu t'amène à un autre palier. Que Dieu t'amène à un autre niveau. Donne-moi ton meilleur amen. C'est la grâce de Dieu. Ne soyez pas des enfants de Dieu qui attendent le ciel pour être heureux. Il a dit, lorsque vous priez, vous, mes enfants, dit notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le quatrième point, c'est vivre par la foi. Donc c'est ça la foi. Crois que Dieu est capable. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, voici ce qui se passe. Certains d'entre nous ne comprenons pas le ciel. Est-ce que tu sais que quand on va se voir au ciel, je souhaite que ce ne soit pas bientôt, encore un peu plus long là-bas. On se voit au ciel, on va se reconnaître, on va se saluer. Mais vous savez, quand j'irai au ciel, je vais causer avec Abraham. J'ai une question que je vais vous poser à Abraham. Je vais causer avec Paul. Parce qu'on a des choses similaires. Je vais causer un peu avec eux. Je vais aller voir David. Je vais parler avec lui. Avant de voir les autres. Mais comment est-ce que je vais faire pour les reconnaître? Mais j'ai aussi envie de voir Rahab. À quoi elle ressemble? Cette prostituée-là qui était dans le panthéon de la foi. Cette héroïne. J'ai envie de voir Rahab.
Mais est-ce que vous savez que quand on va au ciel, on va les voir tous? Est-ce que tu sais, ma soeur, qu'au ciel, si tu étais pauvre, tu es pauvre au ciel, on sait que c'est toi la pauvre qui était au ciel. Écoutez, Lazare était pauvre. On est d'accord? Il était dans le sein d'Abraham. Quand le riche est mort, il est arrivé de l'autre côté. Il dit, hey, Lazare, Lazare! Abraham dit, qu'est-ce qu'il y a? Dis à Lazare que Lazare aille dire à mes frères que ici c'est dangereux. Je vous pose une question. C'est la seule personne qui avait dans le sein d'Abraham? Non, attendez, répondez-moi. C'est la seule personne qui avait dans le sein d'Abraham? Non, répondez-moi bien. Non. C'est la seule personne? Non. Mais pourquoi c'est à lui que le riche parle? Ça veut dire que même dans sa tête, quelque part, malgré la distance et le fossé, il pensait que le pauvre lui était redevable. Et j'imagine que Lazare veut partir, et c'est une belle partie. Abraham arrête, lui dit, hey Joe, tu vas où? Il dit, hey, le riche, il m'a envoyé. Toi, tu vois, qu'est-ce qui se passe? On est au ciel ici, mon gars. Faut t'asseoir, on est au ciel. Comment tu perds le ciel et puis tu laisses le riche à vouloir te donner en ordre? Lui qui est en enfer, ça veut dire que ton identité de la terre te pousse au ciel. Donc, en tous les cas, si je dois vivre éternellement avec une identité au ciel, autant je la change sur la terre. Autant je la change sur la terre. Je ne veux pas partir au ciel dans des conditions terribles. Je veux modifier mon identité afin qu'en arrivant au ciel, même au ciel, je sois reconnu comme un prédicateur de foi, comme un homme de puissance, comme une grande femme d'affaires, comme quelqu'un qui a travaillé pour Dieu, comme quelqu'un qui a participé à l'évangile. Je vais être reconnu comme quelqu'un qui est digne de couronne. Voilà la gloire de Dieu. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et à cause de cela, je n'aurai pas honte de faire ce qu'il me demande de faire. Je termine avec ça. Luc 5, verset 1 à 5. Je n'aurai pas honte. Dis, je n'ai pas honte. J'ai fait le choix de la foi. Encore. La foi ne crée pas. La foi saisit ce qui a déjà été créé. Donc Dieu a déjà tout pour toi. C'est par la foi que tu saisis. Qui de vous veut rester pauvre? Je suis un homme très, 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 très loin. Les gens qui sont pressés d'aller au ciel, ce matin, je vous prie, avancez devant l'autel. Je vais prier pour vous aller mourir dans 7 jours, au plus tard. On va venir à votre funérailles, vous allez aller au ciel. Quels sont ceux qui sont pressés d'aller au ciel? Levez la main. Mais attends, je pensais que vous aimez le ciel. Levez la main, vous voulez aller au ciel. Tout de suite, je vais anticiper votre départ. Je prierai pour votre mort prématurée, vous allez aller au ciel. Alors maintenant, si vous ne voulez pas aller au ciel, au moins déplacez le ciel sur la terre. Vous n'êtes pas pressé d'aller au ciel parce que le ciel est votre demeure, on est d'accord? Eh bien, non, arrêtez de chanter, le ciel est beau, le ciel est merveilleux. Chantez maintenant, changez de cantique. Ma maison est belle comme le ciel est beau. Je suis riche comme Christ est riche, en santé comme Jésus l'est. La grâce de Dieu m'a localisé. Je suis un homme sanctifié, mis à part par son amour. Ma vie est prédestinée pour révéler la gloire de l'éternité. Je vis sur la terre, mes ennemis me regardent. Ils envient ma vie, mais moi je m'en fous carrément. Car en face de mes adversaires, on a dressé la table. Plus ils sont nombreux, mieux ma table est grande. Ennemis, ennemis de Raoul Wafo, soyez nombreux. La table sera dressée selon le nombre que vous êtes. Plus vous êtes nombreux, mieux ma table elle est grande. Et je sais que celui qui est en moi est plus fort que vous. Hey. Alléluia. Hey. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Gloire à Dieu. Amen. Parce que tes ennemis ne vont jamais, tes amis ne vont jamais servir à ta promotion. C'est pas eux. Hein. Les amis sont avec toi. Les amis. Ah, mon ami, l'ami. Je prie que Dieu vous donne de savoir ce que c'est que les amis. L'ami, c'est quand vous êtes au même niveau, hein, ou bien qui te dépasse un peu. Surtout les femmes. Tu t'es marié avant elle. Vous êtes amis. Toi, tu les amènes fille d'honneur. Les divers qu'elle fait sur ta robe, sur ta coiffure, tu ne sais pas. D'abord, même, elle est en train de prophétiser que ton mari ne va pas tenir. Regarde comment elle est, regarde comment elle marche. Est-ce que tu as vu qu'elle a une cicatrice ici? Est-ce que tu as vu? Cette fille, elle n'est pas. Il y a toujours une jalousie. La Bible dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte.
Ah oui, il les a poussés à perdre. Mais l'ennemi, c'est lui qui te donne la promotion. Si David n'avait pas eu d'ennemi, il ne serait jamais allé au trône. C'est Goliath qui a poussé David au trône. C'est la femme de Potiphar qui l'a poussé à pousser Joseph sur le trône. Il faut toujours des ennemis. Des gens qui te combattent et des gens qui t'accusent. Sans eux, ta vie ne prend pas de l'essor. Ils dressent la table en face de tes ennemis. Plus ils sont nombreux, plus la table est grande. Donc je veux les ennemis en Asie, les ennemis en Amérique, les ennemis en Océanie, les ennemis partout, comme ça ma table fait le tour du monde. Un buffet mondial, alléluia. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse sa vie, que Dieu te donne de saisir les promesses. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen, une dernière fois amen. Que quelqu'un dise je règne, encore je règne. Je saisis le meilleur du ciel sur la terre des hommes. Si les hommes méchants donnent les bonnes choses à leurs enfants, à plus forte raison, mon Père qui est dans le ciel. Moi, Raoul Wafo, je suis engagé à saisir le meilleur du meilleur de Dieu sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Et amen trois fois. Amen, amen, acclame le Seigneur pour ta vie, pour un cri de joie. Fais mieux que ça, pour un cri de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il dise amen. Amen. Quelqu'un est dans la joie. Quelqu'un est dans la joie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il dise amen. Amen. Si quelqu'un est jaloux de moi, qu'il dise omi. Si personne n'est jaloux de moi, qu'on dise amen. Amen. Si tu crois que tu es béni, que la grâce est localisée, s'il te plaît, dis encore amen. Amen. Je vois la main de Dieu te localiser. Amen. Je vois la vie de Dieu couler dans tes membres. Amen. Je vois les portes qui étaient fermées, fermées s'ouvrir devant toi par la puissance de Dieu qui t'a localisé. Amen. Tu es béni, 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 béni. Amen. Dans la ville comme dans les champs, tu es béni. Amen. Même les sorciers sont étonnés du type de grâce que tu transportes, car la vie de Dieu t'a localisé. Amen. Tu es fils de Dieu, fils d'Abraham. Amen. Tu es une fille distinguée parmi plusieurs. Amen. Le meilleur t'est réservé, c'est de manger les miennes, car la grâce de Dieu t'a localisé. Amen. Acclame Seigneur Jésus, pousse un cri de joie. Alléluia. Acclame très fort Jésus. Gloire à l'agneau. Amen. Je prie de tout mon cœur que ces vérités fondamentales exprimées en des mots et en des phrases, dans des contextes qui souvent pourraient paraître imagés et même comiques, s'impriment dans ton âme éternellement au nom suprême de Jésus, afin que rien ne t'empêche de jouir du meilleur que le ciel t'a souverainement réservé. Je décrète, déclare, établi sur ta vie, en vertu de la grâce qui m'a été souverainement conférée, que tout ce que tu attends du ciel, reçois-le en meilleure portion. Reçois la santé divine, reçois la promotion, reçois la prospérité, reçois la percée, reçois la faveur, reçois la protection, reçois la paix, reçois la joie, reçois la sagesse, reçois l'intelligence, reçois la visitation divine, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Et que les dettes que tu avais, que Dieu t'aide à les payer entièrement. Et que ce message annonce un nouveau cycle de transition vers une nouvelle dimension. Une dimension qui révèle ta vie comme cela n'a jamais été de par le passé. Tout ce que tu as dont tu n'as pas joui, tu commenceras à en jouir. Tu commenceras à en jouir au nom suprême de Jésus. Tu jouiras de ce qui est à toi par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. Dis amen trois fois. Acclame très fort ton Créateur. Pousse des cris de joie. Amen. Alors, une minute, s'il vous plaît, restons debout. Je vous en supplie. Souvenez-vous que je suis debout depuis très longtemps. Eh bien, on est ensemble, on prêche l'évangile ensemble, c'est bon? Donne-moi ton meilleur amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, hein. J'ai prêché moi-même, je suis enjaillé du message que j'ai prêché.
Je suis content. Je suis content d'avoir obéi à Dieu. Et surtout la hardiesse avec laquelle il m'a donné de professer certaines vérités. Je suis certain, dans le nom suprême de Jésus, que les anges de Dieu sont en train d'agir en ta faveur. Je le crois fortement. Que des mouvements sont en train de se produire dans le monde spirituel. Et que les choses qui t'ont résisté hier, aujourd'hui, te sont soumises. Je crois véritablement à une accélération dans ta vie. Je crois véritablement aux portes qui s'ouvrent, aux chaînes qui se brisent. Je crois aux connexions que Dieu établit, aux contrats que tu signes. Je crois véritablement que Dieu te délivre de la misère et t'introduit dans l'abondance. Je crois de tout mon cœur que tout ce que Dieu a déposé entre tes mains fleurit. Ton appel se révèle. La grâce de Dieu se manifeste de façon tangible au nom suprême de Jésus. Je le crois de tout mon cœur. Reçois la touche de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Je voudrais demander à quelqu'un qui est ici ce matin, eh bien, il te faudrait être courageux pour répondre à cet appel. Et tu dis, vraiment, j'entends parler cet homme, mais c'est Dieu qui me parle. Mon cœur est en feu, il y a quelque chose en moi qui brûle. Et ce matin, je voudrais prendre la décision formelle, radicale, de vraiment embrasser Christ et de ne plus jamais faire marche arrière. Je veux embrasser Christ et vivre le meilleur du ciel sur la terre. Je veux dire non à Satan et embrasser la voix du Seigneur. Je veux regarder à Dieu seul. Lève ta main vers le trône de la grâce et tu dis, je veux vers la paix avec Jésus. Lève ta main droite, je veux prier pour toi. Lève ta main droite, simplement, je veux prier pour toi. Lève ta main droite. Vous êtes nombreux, lève ta main droite. Merci mon frère. Venez devant l'autel, venez. Venez devant l'autel, venez. Venez devant l'autel, venez devant l'autel. Tu as vraiment hésité, mais vraiment tu étais noyé par la honte. Dès le départ, dès que j'ai lancé l'appel, tu faisais par les premières personnes qui voulaient venir. Alors je dois te demander de courir devant l'autel. Viens rapidement. Le diable a vraiment tendu un piège en ce qui concerne ta vie. Et ta vie, ton étoile s'est révélée, mais le diable la conteste. Et tu sais véritablement qu'il y a une véritable opposition par rapport à ta vie. Le Seigneur me dit de te dire, avance devant l'autel. La seule manière pour toi de sortir de ces batailles incessantes qui ne cessent de se répéter, amen, c'est de faire la paix avec Jésus. Viens rapidement devant l'autel. Je t'attends. Viens rapidement. J'ai trouvé. Dépêche-toi, s'il te plaît. Clair pour la personne, mais ce que je vois dans mon esprit, c'est les excréments.
Je ne sais pas si tu as eu un songe ou alors tu l'as trouvé badigeonné quelque part, mais il y a une histoire d'excrément rattachée à ta vie. En fait, ça a été envoyé vers toi pour que ton odeur, ta vie commence à dégager de mauvaises odeurs et que tout ce que tu fasses, même quand quelqu'un veut s'attacher à toi, la personne se détache. Même en affaires, la personne t'envoie. C'est une mauvaise odeur de la sorcellerie. Eh bien, viens faire la paix avec Jésus. Je vois juste excrément dans mon esprit. Et la personne n'est pas avancée. La personne est dans cette salle. Viens rapidement. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Viens rapidement devant l'autel. N'aie pas honte. Je le vois dans mon esprit tellement clair. Tellement clair. Eh bien, tout ce que tu fais à la dernière minute, il y a comme une main obscure qui vient l'annuler. Et les gens te lâchent sans que tu ne comprennes pourquoi. En fait, ils sont éloignés par cette odeur satanique. Viens rapidement devant l'autel. Je vais prier pour toi. Rapidement. J'ai trouvé un sauveur. Merci Jésus. Alors, ceux qui sont connectés en direct sont aussi concernés par cette prière. Lève ta main droite vers le ciel, s'il te plaît, là où tu es. Lève ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite ici devant. Lève ta main droite, ceux qui sont connectés en direct et qui veulent faire la paix avec Dieu. Lève ta main droite, s'il te plaît. Répète après moi et à haute voix cette prière. Seigneur Jésus, tu es le maître de ma vie. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés, que tu as versé ton sang pour mon salut, que tu es ressuscité le troisième jour pour ma justification. Pardonne mes péchés. Ô mon Père, que le sang de Jésus me lave. Seigneur, je divorce avec Satan, avec les malédictions. Je divorce et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie est à Dieu. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Je déclare établi que ta vie est bénie. Sérieusement bénie. Au nom suprême de Jésus. Et elle bascule vers les hauteurs pour la gloire de notre Créateur. Reçois le miracle de la nouvelle naissance. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Recevez ces fiches. Qui est béni par la parole? C'est pas bien ça, mais on y va comment avec ça? Après, on va migrer. C'est qui je suis? Chante de une minute. Oui, je te donne ma vie. Ta main vers le ciel et fais cette prière. C'est une prière. Est à toi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Encore, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne. Je fais le choix de vivre selon les standards élevés de la vérité. Me voici devant toi. Utilise-moi pour ta gloire. Manifeste et révèle ta vie, ta gloire au travers de ma vie. Merci Seigneur. Tu m'as racheté, je t'appartiens et je veux pour l'éternité faire ta volonté sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus, amen trois fois. Que Dieu te bénisse richement et très abondamment.